Avec seulement 20 jours qui étaient pour arriver dans l'élection 5 novembre 2024, nous promettons chaque jour pour nous, justement pour baron update, justement pour comprendre qui vient bataille là. La vérité en clair, et personne ne peut pas prédire, en fait, ça en pile monde d'avril qu'on est, ou t'as une boule de cristal pour l'avenir, avec des indicateurs, soit sondage, mais qui est-ce qui prend le président? Mais malheureusement, pas de personne qui gagne une réponse là. Et d'abord, de toute façon, nous n'avons pas qu'à ignorer, ça nous arrive. Les sondages, ils sont bagages scientifiques, pas oublier, nous toujours nous sommes sondagés. C'est un groupe qu'on prend au hasard, et puis qui bat une information à un temps donné. Ça lié. Et nous tous connaissons, depuis bien des temps, Aristap, pas mal Aristap, savourer. Ça nous relaye un véritable lead, un véritable enthousiasme. Et parfois, là, 6 points, 5 points, 4 points. Rabbi, qui était toujours gagné en match d'erreur, il nous a toujours dit ça par refléter la réalité. Hein. Et effectivement, l'élection, hein, c'est normal, elle n'a pas approché, et ça n'a pas suivi là, nous faire nous comprendre. C'est que c'est vraie image, là, j'en étais hier vraiment. Au lieu que vous ne parlez pas de changement, de préférence, on nous dit que ça cap sorti aujourd'hui, qui montre que Bagayotaï là, il présente une véritable image là. Que nous vivons en 2004, il y a une élection qui pique close, que nous pas jamais connaît. Puis, nous espérons qu'au lendemain de l'élection, notamment 6 novembre, que peut-être qu'après qu'on est qui est, on bien dit peut-être, ça pourra dépendre, puisque nous avons revivre encore ça qui est passé et 2020. Hein. Que plusieurs jours pour qu'on connaisse qui est-ce qui est président. Il y a un ensemble d'incertitudes. Et toujours, gain, en fait, by the way, il y a un bel chiffre. Des fois, nous, les chiffres sont bien. Par exemple, il y a un sondage qui parlait, qui sortit là, qui montrait que Kamala a devant un likely voter 5%, mais national. Chaque fois, national, pas de sa importance. L'Europe est nationale, sous consacrer l'élection, il n'y a pas de dire rien, peut-être qui ça. Parce que vous capable de dire malheureusement ou bien heureusement, dépendamment de qui vous êtes, élection nationale, pas de dire, puisque pas bon ici, ce n'est pas causé sur le plan national qui valait le monde. Gain plus monde voter, ça c'est business power. Ça n'a pas fait pour le président. C'est ça qui est la réalité. Hein. Et nous toujours répéter l'histoire de Clinton qui était gagné pour 2 millions de votes. Donc, lorsque chaque fois que vous entendez un sondage, chaque fois moi me dis, pourquoi ça continue à faire sondage ça? Et bon. Donc, on a une certaine importance qui vous montre que gens, sous tout pays, il y a un candidat mené, mais sous le baron vérité, ou qu'on est bien propre que, pour gagner l'élection par bon, ici, c'est pas le fait que, mené sous tout pays, a. Mais de préférence, tout le monde connaît, ni, c'est de préférence qui gens bagayoye dans swing state, yo. Et j'en dis, malheureusement, heureusement, ça qui bat l'élection par bon, ici, sont causés de collège électoral, et nous tout connaît, et réponse la musique, là, danse, là, libre à le jouer. Ça nous relève swing state. Yo. On a parlé de state qui pas jamais fin républicain trop, qui pas jamais fin démocrate trop, qui capable de changer à une année, on doit voter républicain, ou l'autre année, au démocrate. Et c'est eux-mêmes, justement, suivant genre, yo, swing, suivant yo, bleu ou bien rouge, qui capable de voter un candidat. Et c'est indicateur ça, que vous m'en suivi. Maintenant, on nous dit, c'est vrai que nous fixons sous seulement présidence, mais il y a des signes là qui sont vraiment intéressants pour les démocrates, surtout pour, au niveau Sénat, bien que nous presque pas parler d'élection Sénat, Parlement, alors que nous connaissons Parlement aussi déterminant. Mais il y a des indices là qui montrent qu'effectivement, les démocrates sont très bien placés au niveau du Sénat. Ça veut dire que les démocrates ont une plus de chance pour eux, bien contrôler le Sénat encore. Là, on a parlé là. Vous comprenez? Les démocrates, que ce soit dans Michigan, Wisconsin, donc, côté qui gagne Koussio, eh bien, démocratie sous route, justement, pour Yokembe, majorité dans le Sénat, qui c'est une bonne nouvelle, puisque la majeure partie, c'est démocratie qui allait dans l'élection pour le Sénat. Et, en fait, démocrate même compétitif Texas, attendez bien, on dit compétitif Texas, Texas, pas à supposer, vous démocrate, m'a parlé de l'élection Sénat. Donc là, c'est des indices qui a changé, donc vraisemblablement, il y a des indicateurs qui montraient que les démocrates sont sous route, effectivement, Kembe contrôle le Sénat. Kembe contrôle le Sénat. C'est ça que dit. Maintenant, si nous retournons sur le président, Jean Doula avoue Dieu. En fait, Gonpol qui parlait de sec, mais on parle en moyenne
average national ou gen a ris nan 2% national ki jwenn la pa vle di grand chose. Ki pa vle di grand chose. Maintenant, effectivement, le wale nan swing state yo, jounen jodi a, la realité presque toute, c'est ça nous rele yo torso, il dit yo nek, yo taille. C'est ça qui réalité a la. Selon la durée, puis le monde capable dit mais son remonté du tronc. Pas bien interpréter le concept du tronc, pas remonté le pas comme ça. Et pourtant, la vérité, soit elle en profondeur, elle était toujours comme ça. Comprenez bien. Il était toujours comme ça parce que tout simplement, les sondages, ils changeaient ça, ils ont toujours une marge d'erreur. Donc, quand on dit, nous tenons une course qui était taille, et je ne dis pas qui plus taille que possible, j'en veux une décarbonation. C'est ça, lié là. Maintenant, il y a des indices qui montrent tout au niveau de génération. On parle de génération, nous parlons de génération X, génération Z, nous parlons de millénials, baby boomers. Ça a demandé qui a année qu'on fait, vous va comprendre. Et bien, il a montré que, et bien, à 3 semaines de l'élection, et ça, c'est un facteur important pour considérer, et bien, Aris Kamala, justement, ligue en lead sous toute génération, ça. Ok? Donc, c'est des indicateurs, tout, qui montrent que force, Kamala, et que ce soit sous baby boomers, on a parlé de monde qui fait dans l'année 1946-64, et là, c'est pas long grand premier, parce que généralement, les gens qui gagnent là, ils sont des gens conservateurs, ils sont supposés républicains. Est-ce que vous comprenez? Donc, qui tout prend les baby boomers? Et donc, alors là, on peut comprendre que Aris Kamala gagne un ensemble de points assez positifs au niveau des générations. Mais tout ça, changez bien. Tout ça, n'a pas oublié que nous pas besoin pour nous gagner l'élection en plus, nous voter pour nous. C'est ça, vous m'avez dit dans tête. OK? Donc, ou pas besoin pour gagner l'élection, ou vote populaire, voilà le mot. Ou pas besoin vote populaire. Yeah. Parce que bien vote populaire parmi nous, pour dégager justement, pour swing state yo, pour yo vin nan direction. C'est là, effectivement, et tout le problème, parce que gagnons ensemble, bien connu, pas vraiment gagner qu'un indicateur. Contrairement avec l'élection, l'autre a dit l'élection de Obama. Tu peux comprendre bien, Obama, tu es un bon lead. Même, on dit même Biden à la dernière minute, pour lui te montrer qu'il y a plus de lead. Là, guys, c'est comme quoi Sanders dit, bon, il gagne dit Mbaye menti. Parce que, yo comme dit là, c'est ça, dit, n'importe nan moun yo kage. Ça vient créer une sorte de stress. Ça vient créer une sorte de la pérèse, une sorte de panique. Et la caille plusieurs monde. OK? Mais la vérité, elle était toujours comme ça. La vérité, elle était toujours aussi taille. Donc, de toute façon, on va gagner pour toujours suivre justement Polio à la dernière minute. Et on va gagner pour garder. Et. Ou ap gen pou gade, est-ce que ap gen à la dernière minute, ça n'a relé un October surprise? Parce que pas ta supposé gen October surprise là encore. Bien que y a parlé de yon cause yon voice de Donald Trump, et y a de, en fait, qui t'a supposé prendre la ri. But, en pile, moun pense que nan point nou yé là, et nan point nou yé là, pas vraiment, ou pas attendre avec. Gros événement qui pral changer bah yo vraiment ou pas attendre avec un gros événement qui capable changer résultat yo dans sens on là. Donc livre dit que alors là et quel que soit groupe mon de du côté de Trump ou du côté de Kamala, yo condamné pour yo été là non véritable suspense infini puisque a gagné yon vainqueur clair et net. Ou pas comprendre, c'est dans ce sens ça que pile le monde a plevé pied. Ou bien même Elon Musk, non, Pennsylvania, oui, dans campagne, oui. Elon Musk dans Pennsylvania, tout le monde dans campagne. Tout le monde, justement,
lever pied ou dans moment là et yo comprendre ça, yo comprendre que il pas gagne jouet là, pas grand rien qui gagne d'avance là et que il faut et pas gagne étape garder. Et pendant que Kamala Harris a choisi de parler avec Fox News, il connaît ses territoires ennemis. Et il y a parlé, et by the way, il fait une très bonne sortie, justement. Et ça montrait qu'il est capable de prendre pression, capable de faire battre. Donc, c'était vraiment une bonne impression. Donc, voilà, guys, et on a toujours continué pour n'importe changement, n'importe grosse information qui gagne. Nous promettre et pour nous bon édition de nouvelles, édition et nouvelles sous élection pour qu'on Jean Bagayoko passe.